Aujourd'hui, nous sommes à la ferme 2A spécialisée dans la production des pintas de race améliorée de même performance que les poulets goliathais. Bonjour monsieur. Et présentez-vous brièvement et parlez-nous un peu des pintas goliath. Je m'appelle Alphonse Agoto et je suis spécialiste dans la production des pintas d'eau de race améliorée de même performance que les poulets goliathais. Nous sommes dans un certain moment et nous sommes en partenariat avec le promoteur de l'Afrique poulet Goliath. Nous travaillons quand même en ce lieu, mais dans la main pour que l'activité prospère. D'accord. Et depuis quand avez-vous commencé la production des pintas de race améliorée? Nous avons commencé la production des pintas de race améliorée. Ça fait pratiquement 6 ans depuis 2009, mais à petite échelle. Et c'est pratiquement à partir des années 2000 que nous avons vraiment pris l'activité sur lieu. Nous avons. Ok, je puis, vois. Pris le tout en main, et comme il y a. La structure Afrique pour les Goliaths. Afrique pour les Goliaths. Partenariat, c'est lui qui doit quand même qu'on relance réellement l'activité. D'accord. Qu'est-ce qui différencie les pintas de race améliorées des pintas locales? En fait, je vais, avant de faire la différence, est-ce qu'il n'est pas bon de faire juste une présentation de la pinta de race améliorée? Bien sûr que oui. Ok. Ouais. Si nous prenons la pinta de race améliorée, c'est des animaux, comme je l'ai dit, de même performance que les poulets goliaths, ils ont des difficultés et c'est des animaux qui produisent tout le temps, toute l'année. Pendant un an, ils n'attendent pas la saison de tout le temps. Et la particularité de ce que nous faisons ici, c'est que nous produisons des œufs nous-mêmes et que nous envoyons au niveau de la pirige, au niveau de notre pouvoir pour les pirige. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous pratiquons ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Ça veut dire quoi? Nous prélevons le sel chez le mâle qu'on injecte au tunnel pour avoir les œufs à gel. Maintenant, si on veut avoir aussi les œufs sans gel, on peut ne pas inséminer les animaux comme la disposition pour la consommation. Maintenant, quand nous ramassons des œufs, nous les désinfectons, nous les conservons. Et là, nous les envoyons, comme je l'ai dit, au niveau du pouvoir. La particularité aussi également, c'est que, bon, je peux peut-être répondre directement à ta question, la différence. La particularité de la pintade de base, c'est les animaux qui croissent. Que les poulets goliaths pratiquent le mieux performance et que si nous sommes pas fait en 2 mois, ils sont déjà consommables. 2 mois, c'est les animaux qui sont vraiment consommables. L'autre avantage des poulets goliaths, des pétards goliaths, c'est des animaux rustiques, résistants, très résistants et qui n'ont une difficulté. La porte avantage, c'est que quand nous livrons les pintados de chair, non, les pintados de race améliorée, c'est que celui qui doit lever n'a pas de difficulté pour conduire. Donc, ils ont un accès purement local. Ils ont un accès purement local. Et c'est le même suivi que les poulets goliaths, que n'importe qui. Maintenant, c'est la même alimentation. La différence, c'est un peu les poulets et les pétards, les masses locales, c'est les animaux pratiquement physiques aussi. Et qui, pour avoir pratiquement les 1 kg de tout le monde, pratiquement de 9 mois, 3, 1 an. C'est les animaux aussi monogames. C'est-à-dire, quand je dis monogame, c'est un mâle, une femelle. Quand le mâle fait bien sa femelle, un autre mâle, il vient plus. Mais deuxièmement, c'est que c'est des animaux qui ne font que pendant la saison pluvieuse. Alors que par rapport à la race améliorée du type goliath, ils font une année, même en saison sèche, pendant au moins un an. Je ne sais pas si vous avez répondu à votre question. Oui, vous avez répondu. Bien, la dernière question. Quel est le mode de suivi? Le mode de suivi,
comme je vous l'ai dit, c'est les animaux qui sont plus directement de trop de fois. Vous pouvez même le temps de vacciner. Je préfère que le temps là. C'est ce que je préfère. Il y a qui la fait, on a pas de vacciner. Je préfère que ça fait mélanger à deux personnes, soit qu'il y a plus de canard, tout ça, 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 tout ça. Donc, quand vous lancez la commande, vous avez un plan de population, un plan d'alimentation, non, un plan de population, un plan de patient qui suit immédiatement la commande. Donc, ça, quand vous achetez les animaux, vous avez tout du côté pour pouvoir le produire. Donc, voilà, PDI d'Africa pour le Gard, si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, bon, comme mon frère étant là, les pentas ont amélioré, ils ont les mêmes performances que les poulets polias. Voilà. Donc, je vais tout le temps à rajouter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont une affaire purement locale. Et ils sont originaires du Bénin. Donc, pour tous ceux qui veulent passer leur commande de pentas, comme les poulets polias, je peux vous les livrer, quel que soit le pays dans lequel vous vivez. Donc, maintenant, en dehors de ça, ici, c'est la ferme qui est uniquement basée sur la production de pentas. Donc, c'est la ferme de Jacques. En ville encore, nous avons un restaurant où nous faisons uniquement de la viande de pentas. Comme on va vous montrer, il y a aussi le pouvoir qui est destiné à l'éclosion des pentas. Et pour l'instant, chaque semaine, comme chaque jeudi, nous faisons éclore près de 2000 pentas. Donc, voilà ce qu'il faut savoir. Donc, un peu plus devant, on va vous présenter. D'accord. Et je peux vous ajouter que nous avons une particularité. Dans cette particularité, nous sommes pratiquement les seuls à produire les pétales de basse amélioré de type Polia au Bénin. Et dans la sous-région. Donc, la société 2A est la seule société qui produit les pentados de race améliorée dans la sous-région. Exact. D'accord. Bon, merci beaucoup pour les réponses à nos questions. À très bientôt. Bon, ici, nous avons le pneu. Voilà les yeux. Jusqu'à 5 kilos. Voilà les mâles qui sont dans le cage à pain et ces mâles-là pèsent le plus que les pneus. Bon, on vit à des fois 6-7 kilos. 6-7 kilos. Oui, à la réforme. À la réforme. Et quand on les donne à ma vie correctement, il n'y a pas de pneus. Ils ne sont pas, ils ne se sont même pas loin par rapport au dénon. Si on t'a fait une comparaison. Voilà. Thank you.